Pourquoi à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle zone, on me prive de mes munitions? Parce qu'il n'était pas vide à mon flingue. Je venais de le ramasser, je l'ai pas utilisé une fois. Je trouve ça profondément injuste. Ah! Les flaques! Quelle flaque! Je la vois même pas, ta flaque. Bon, j'imagine que c'est une façon de dire que c'est pas par là que je dois aller, mais. Mais quelle flaque! Je trouve personnellement qu'il pourrait au moins faire l'effort de quand même tenir le fusil dans l'autre sens. Parce que même si c'est avec la crosse qu'on frappe, il serait quand même plus impressionnant pour les gens. Parce que là, à 10 km, on repère qu'il a plus de munitions. Et au niveau intimidation, c'est pas ouf. Une masse. Il me faut des indices. J'imagine que je vais aller voir dans le métro directement. We're connected, Thomas. Transfer data when ready. Qu'est-ce que... Mais... Attends, mais... Tu la vois pas, l'empreinte de main? Mec... Voilà, j'allais dire. Give me a sec. I can't get a read on the prints. Too smudged. Get a sample though. He's scared and sweating like a horse. Hop. Ah, ça va trop vite. C'est quand même particulier leurs outils de collecte, hein. Alors. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce métro qui pourrait nous servir? Ça peut servir. Bonjour. Alors, je vous explique. Vous avez la masse dont j'ai besoin. Mais vous avez un peu la gueule de Bane dans Batman. Donc, j'ai pas spécialement envie d'essayer de vous combattre. Je vais donc vous laisser vous battre avec les zombies. Pour vous fatiguer un petit peu. Oh là là. Je suis dans la merde et je... Eh hey les gars, j'ai un tuyau, moi! Salope! Passe-moi ta pelle. Non! Merde! Eh, sérieux! C'est même des junkies, là, c'est des zombies! Non! Mais allez! Oh, le bordel! Mais j'en ai marre! Et c'est qui cette personne? Pourquoi je vois sa sale gueule à chaque fois que je meurs? Oui, je suis une rageuse. Ah, il faut que je refasse toute la route. Mais Je suis désabusée.
commence. Est-ce que j'avais été au fond de la station? Je pense pas. Je vais regarder. Voilà, il y a voir quelque chose d'intéressant ici. Ah non, ça c'est pas. C'était peut-être un des machins que je devais ramasser. Alors. Par là. C'est fermé. Par là. C'est que dalle. Retournons donc collecter des choses. Que nous avons déjà collecté, mais que nous sommes morts comme une grosse bouse. Je vais mettre dans ce sens-là. Oui, oui. Ça. On fait ça. Et voilà un petit extrait de sa transpiration que j'envoie en wifi. Non, je n'ai pas du tout de quoi m'occuper. Il y a juste un espèce d'énorme taureau. Va débarquer. Il y en a deux ou... Elle était pas dans une boîte celle-là. Bon. Salut mec. Eh, je suis enfermée en fait moi. J'avais pas compris ça. Mort spéciale, j'ai pas réussi. J'aurais mieux fait de juste leur foutre un coup de pied. Non! Oh putain! Eh, ça fait super mal en plus quand elle fait ça, mais elle fait quoi? Elle me mord! Oh, c'est bon, je suis morte à nouveau, bordel de merde! Casse les couilles! J'ai habilité tes morts là? Allez, je vais me retaper tout. Pour au moins mettre un point de contrôle au moment où on a l'ADN. Je suis en train de me demander pourquoi c'est au moment où je rage que j'ai un spectateur de l'ombre qui est connecté. Parce que oui, j'ai vu qu'il y avait un spectateur. Bon, après, quand mon téléphone met jamais à jour le chat, si ça se trouve, on me parle et je vois pas, mais. We're connected, Thomas. Transfer data when ready. Oui, oui, je l'ai déjà dit. Après ça va, j'ai déjà dû refaire des passages plus longs dans d'autres jeux. Ça me gonfle quand même un peu.
Voilà, blablabla, bla bla, ça va prendre du temps. Avez-vous de quoi vous occuper? Oui, j'ai deux espèces de connasses qui m'attaquent à un endroit donné où j'ai aucune putain de portée. Et putain, j'ai pas été chercher le tuyau. Enfin, je peux lui piquer sa pelle, donc c'est pas grave, mais... Mais merde. Bon. On va quand même faire honneur à... Coucou. Eh, mais je vois le... Je vois le tueur en série. J'avais pas vu jusqu'à maintenant. Il s'enfuit par une porte au fond. Bon, monsieur, tu as la masse que je veux. Bon, je vous attends, hein. Non, merde. Non! Allez, putain, mais j'ai mis un coup de pied! S'il vous plaît, non! Je vais encore crever, mais c'est pas possible! Je sais pas. Laisse-moi atteindre la vie. Qu'est-ce qui se passe? Elle bouge plus. Par contre, elle avait une copine avant. C'est con, on s'est dit que j'étais trop mauvaise et qu'il valait mieux pas me la mettre. Bon, après, je comprendrais, hein. Un point de contrôle, s'il vous plaît. Je vais pas devoir me retaper encore. Merci. Miracle, nous n'aurons plus de prélèvement à faire. Enfin, plus cela, en tout cas. Ah oui, je t'avais oublié, toi. Excuse-moi, je voudrais ta masse. Merci. Non, 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 arrêtez de me faire ça. J'en ai marre que vous fassiez ça. C'est hyper chiant. Je vais t'enfoncer. Il a tellement un gros coup que c'est les mains de mon perso, on sait pas le tour. Bon, j'ai la masse. Pour le moment, tout se passe très bien. On m'a juste mis un ennemi de moins parce qu'on voyait que je galérais trop. Voilà. Bon, je sais plus s'il y avait d'autres sangs, mais j'en ai marre de cette station. Nom de Dieu. Il est tout nu. Le monstre. Il a enlevé sa salopette. Il se balade à poil. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Nous collectons un plan collé à un ventilateur. It's a train schedule, but there's some shadows running it through graphics enhancement. This is his rat hole, all right. It has to be. I found his overalls next to his locker. Bastard travels light, doesn't he? Keep looking around. He's gotta have more than a locker to play with. I'll get back to you once I clean up this image. Ok. Ouais, c'était marqué à coup de pied, mais qu'on se le dise, à coup de masse, ça marche aussi. Hein. Par contre, j'ai pas été là. Par contre, j'entends des bruits de pas. Ça fait deux fois que je dis par contre. Point contrôle. Bonjour. J'ai besoin d'une hache pour péter cette porte. Comme si ce n'était pas possible de la péter à coup de masse. J'ai trouvé un oiseau mort. Je gère pas bien les oiseaux sur ce niveau, je crois. Oh, soin.
Ça, c'est le genre de porte qui s'ouvre dans un sens et qui se réouvre pas dans l'autre. Je suis un peu emmerdée parce que du coup, là, on est censé utiliser une hache. Est-ce qu'il y a une hache là ? Ha ha ! Quelqu'un a pris la hache. Quelqu'un va m'en mettre plein la gueule. C'est quoi ça? Une balle. Ça me perturbe un peu la porte là. Je sais que c'est une porte qu'on franchit que dans un sens, mais... Thomas speaking. Document is a standard city issue train schedule. Pressure has been applied from a stylus highlighting two scheduled routes, both originating from Central Metro Station. Route 16 to Burnside, departing 5:10, 7:30, 9:30 a.m. Route 66B leads to Briar. That's a tiny farm town an hour to the northwest. Departs 9:30 a.m. and midnight. This is his hub, so he goes to both locations regularly. I've also determined DNA from the sweat sample in the train matches DNA from the cigarette butt. 99.8% probability. The guy you're following is the guy who killed the two policemen. The matchmaker. At least, I think so. Something's still not adding up. Pourquoi on était... Il était pour quoi, c'était le même? C'est relativement évident, moi, mais... Yo ne lo sé. Yo cherche une balle. Ils sont quand même un peu rigolos, hein, ceux-là. Celle-là, moins. Je pue ou bien? Je peux aller dans les égouts moi. Oui. Pourquoi elle se barrait sans m'attaquer? Je suis vexée un peu. Genre est-ce que c'est la deuxième qui était censée m'attaquer avant? Et qui se dit que je mérite pas? Oh putain! Ah, je suis pas passé loin. En vrai, j'aime autant pas les désarmer. Quand ils sont armés, ils me sautent pas dessus. Et honnêtement, le bâton clouté, ça fait moins mal à la gueule que quand elle m'attrape. Pas très logique, hein, mais... Hop. Et c'est reparti. C'est une référence à la boîte de prod de jeu ou... Mais voilà. J'ai trouvé ma valve, j'ai tourné ma valve. J'ai une petite hache. On se met bien, je trouve. Bon, je l'entends, le gars qui marche. Qui court. Oh, pff, tant pis. Hein. J'ai pas ton temps, moi. Si tu te casses. Oh, enculé! Je crois que je l'ai vexé. Donne-moi ton gun. T'es où? T'es où? Mec? T'es où? Je
je t'entends qui tire, mais je te vois pas. Allez, t'es où? Je veux ton fusil. Ne vide pas toutes les munitions. T'es où? Bon, j'espérais qu'il me suivrait pour arriver à le repérer dans un endroit un peu plus exigu, mais... Ah, le voilà. Et si ! Donne le gun. Donne le gun. Enculé ! Je l'ai pas assommé. Oula. Il y a une espèce de vieux croissement, un craquement d'os dégueulasse. Mais, va te faire foutre ! J'avais fait la touche 3. Ça va pas marcher. Dis-moi qu'il les a pas toutes vidées. Oh merde! Putain, j'ai été blessé pour rien. Tant de déception dans mon âme. Je me casse. Au moins, j'ai toujours ma hache. Je me demande quand même toujours pourquoi il y a une porte. Je sais pas où elle est, mais. Si je la recroise, je vais quand même aller prendre le risque de voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Je viens de faire un tour de... Ouais. Un petit tour de piste. Je me suis encore perdue. J'avais pourtant juré dans le titre que cette fois-ci, je ne me perdrais pas. C'était ici. Bon, je vais pas recroiser la porte que je voulais, mais... Tant pis. Nous sommes sur... La bonne voie. Et hop! Prendre les échelles, c'est pour les lents. J'ai perdu la trace du suspect. C'est terrible. J'ai perdu un spectateur aussi. C'est terrible aussi. Tu m'étonnes que j'ai perdu la trace du suspect. Il allait pas m'attendre pendant 10 minutes. Hein. Je peux pas ouvrir ça. C'est dommage parce que ce qu'il y a de l'autre côté m'intéresse. Ah, t'es pas un de ceux qui meurent. Enfin, oui, non, ils rampent pas. Là, et puis j'arrive ici, petit couloir, couloir de traître que à tout moment il y a quelqu'un qui me saute sur la gueule d'ici, outil de détection, nous allons trouver un oiseau mort. Mais je vois pas. Là. Très important les oiseaux morts. Sans ça, nous ne pourrons jamais résoudre l'enquête, c'est bien connu.
là. Et par là. Fin de bruit ce machin. Et puis par là. Oh non. Putain, mais même quand ils sont assommés, j'arrive pas à les avoir. Bordel, je comprends plus rien. Laisse-moi me soigner. Ils sont morts ? Deuxième trousse de sang pour le full life. Bon, tant pis, je fais. J'ai un toit qu'il y a quelqu'un qui m'attend en haut. Point de contrôle. Ouais. Oh putain. Oh, toi t'as pas l'air agréable. Les tout gros. Oh là là, putain, ils sont deux. Je suis en train de taper avec la hache, hein. Ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ça les blesse, ce truc-là. Bon, il y en a un à ma droite, à tout moment, il va m'éclater. Voilà, aïe. Sinon je me casse hein. J'ai pas trop d'intérêt à me battre avec eux. Pas vraiment comme s'ils pouvaient me soulever une main. Je sais pas où ils sont. Bah, après il y en a un qui avait une pelle, j'imagine que j'ai besoin de la pelle. Avec ça. Fuck, ça c'était raté. Oh. Monsieur, je t'ai vu hein. Ah oui, mais je t'ai vu, mais je sais pas t'esquiver. Hop. Attends, chacun son tour. J'ai raté. Je vais mourir. Tiens. Je vais mourir. Enculé. Je suis niqué, hein. J'ai plus de vie. C'est barré, Fabrice. C'est parce que j'ai buté son pote. Non. Oh.
Et bien sûr. Bah oui, vous êtes mort. Je le sais bien. Oh. Je tape dans le vide. Ah ouais, s'il vous plaît, tapez-vous entre vous. J'ai l'impression d'être dans un combat de gorille là. Bon, tic-tac, vous arrêtez vos conneries là. Pourquoi tu te caches? Mec, tu mets une bastos, je meurs. Un en moins. Où est le deuxième? Au pire, on s'en fout et on avance. Moi, j'aime bien sa stratégie. Oh, juste pour un oiseau mort, sérieux. J'étais pas là à la suite. Ah non, j'ai récupéré la vie aussi. Ça, c'est plutôt cool. Ah, non, il y a un trou. Suite du jeu? Es-tu là? Je le savais. Je le savais que t'arriverais à m'abandonner. Du coup, je me suis pas laissé impressionner du tout. Oiseau. Désolé, petite bête. Je trouve que ça manque de musique. J'ai vu que j'avais besoin d'une pelle que j'ai croisée. Je savais que je devais la ramasser. Mais je me sens bon quand j'ai ma hache. Elle est très lente, mais elle arrache. Je me suis pas prétendu parolière non plus. Hop.
Peut-être pas. Ah, si. Quoi? Bah non, mais... Il est où? Tu sais, pourquoi c'est à chaque fois que je récupère un objet nul que je me fais attaquer? Parce que là, concrètement, je vais pas refaire le chemin en sens inverse avec la hache pour le buter, puis remonter pour prendre la pelle. Au pire, j'esquive. J'imagine que ça se met à un endroit que l'autre. Là. Ouh là là. Merde. Pas prévu ça. Quoi? Pourquoi je vais faire exploser les choses, moi? Je croyais qu'on cherchait un meurtrier. Enfin, qu'on allait devenir des pyromanes ambulants. Au secours, c'est le bordel! Je suis suivi. Oh là là. Putain, j'aime pas les meufs. Oh là là, ils sont nombreux. Comment vous dire que je suis dans la merde? Putain, elle est déterre la meuf. Ouh là là. Merci mec. Ouh là, j'ai mal géré mon timing. Putain! Mais du coup ça a explosé, j'ai pas suivi. Bon, prochain point de contrôle, je m'arrête pour aujourd'hui. De Dieu, il y avait une pelle juste à côté, j'étais pas obligée de revenir en arrière. C'est ici le point de contrôle? Ça avait la tête d'un endroit où on aurait pu trouver un oiseau mort. Je pense que ce tunnel obscur va nous mener à un point de contrôle. Ou qui n'est pas nécessaire, parce que techniquement je peux sauvegarder quand je veux, mais... Suspense. Que trouvera-t-on au bout de ce tunnel qui n'en finit pas? Bien, nous ne savons pas parce que nous n'allons pas au bout. Ah! Je suis quand même allé au bout. J'ai dépassé mon timing de 30 minutes. Moi je m'en fous. Porte et point de contrôle.
Petit teasing. Voici l'obscurité qui nous attend dans le prochain épisode de Condemned. Tan tan tan.